Bonjour et bienvenue sur Conseil Malin Automobile. Aujourd'hui, nous allons voir, si vous le voulez bien, comment vérifier les niveaux de son véhicule. Avant d'effectuer vos contrôles, assurez-vous que le véhicule se trouve sur un sol bien plat, qu'il ne soit pas en pente et surtout que le moteur soit bien froid. Pour le bon fonctionnement de votre moteur, je vous recommande de contrôler vos niveaux une fois par mois. Alors, les différents niveaux qu'il faudra vérifier sont le niveau d'huile, grâce à la petite jauge à huile. Nous devrons aussi vérifier le liquide de refroidissement, ce qui va vous permettre de refroidir le moteur quand il sera chaud. Ensuite, vous pourrez vérifier aussi votre liquide de lave-glace pour nettoyer vos vitres à l'avant et à l'arrière. Et on pourra vérifier aussi le liquide de frein qui va vous permettre un bon freinage du véhicule. Alors maintenant, je vais vous montrer la technique pour vérifier son niveau d'huile. Il suffit donc de bien nettoyer la jauge. On sort la jauge, on la nettoie complètement pour qu'il n'y ait plus qu'une trace d'huile sur le petit insert. Ici, on a niveau mini, niveau maxi. Donc, on resuit bien sa jauge, on la remet dans son logement, bien à fond, au niveau maximum. Hop, on attend quelques secondes et on ressort la jauge. Et là, on pourra vérifier où se trouve le niveau d'huile. Alors, à savoir, là, il est au maxi, mais un niveau idéal, ça se situera entre mini et maxi. Alors maintenant, nous allons voir comment vérifier le niveau de liquide de refroidissement. Alors c'est simple, il suffit de regarder sur le bocal. On voit par transparence le niveau de liquide et vous avez un repère maxi et un repère mini. Donc là, assurez-vous que le niveau soit toujours au niveau maxi. Alors surtout, ne pas en mettre au-delà du maxi, ça peut être mauvais pour le fonctionnement du moteur. Et surtout, ne jamais ouvrir quand le moteur est chaud, ça pourrait vous sauter au visage. Alors maintenant, nous allons voir comment contrôler le niveau de liquide de frein. Et bien c'est pareil que pour le niveau de liquide de refroidissement, vous avez sur le bocal des petits repères mini et maxi. Alors surtout si le niveau, vous voyez qu'il a baissé, allez faire vérifier vos freins, ça pourrait être synonyme de frein usé ou alors de fuite de liquide. Enfin, il restera le niveau du liquide de lave-glace. Bon, ça c'est très simple, il suffit d'ouvrir et de remplir jusqu'en haut. Il n'y a pas de niveau mini ou maxi là, il faut remplir. Voilà, on met dedans et on remplit jusqu'en haut. Voilà, j'espère que mes petits conseils vous ont été très utiles. Alors je répète, surtout, voilà, liquide de refroidissement, ne jamais ouvrir quand le moteur est chaud, ça pourrait vous sauter au visage car le liquide est bouillant. Et voilà, vérifiez vos niveaux une fois par mois, ça préservera la durée de vie de votre véhicule. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation et bonne route.